Mesdames et messieurs, bonjour. Quelques mots très rapides pour dire le plaisir que j'ai à pouvoir introduire cette œuvre en scène que nous préparons depuis longtemps, qui est, je crois, très attendue, en tout cas de plus d'un d'entre nous. Après Pharaon des Deux Terres, l'exposition donc au début de l'année 2022, dont cette statue de Taharqa et Emen a été l'une des œuvres phares, sinon le héros, hein, c'est elle qui, un détail de cette statue qui faisait l'affiche, vous vous en souvenez. Nous avons voulu revenir sur elle en ce début 2023. C'est en effet une statue parfaite pour illustrer la période, véritable hiéroglyphe pour un bicentenaire. Est-ce qu'elle n'est pas trop parfaite? C'est en tout cas une des questions que Florence Gombert-Meurice a voulu se poser avec Benoît Mille au C2-RMF. Florence Gombert-Meurice est conservatrice en chef au département des antiquités égyptiennes. Elle se spécialise dans l'étude de la statuaire de ce qu'on appelle la première période, le troisième millénaire, la troisième période intermédiaire, en étudiant notamment dans le cadre de sa thèse la statuaire de bronze du Sérapéum. Benoît Mille, ingénieur de recherche au CNRS, au C2-RMF, je fais des lapsus, au Centre de recherche et de restauration des musées de France, a consacré toute une partie de sa carrière professionnelle à la statuaire métallique antique. Voilà donc deux personnes, deux curiosités qui se rencontraient pour questionner Taharqa et Emen, parfait exemple de la dynamique que permettent ces recherches croisées. Et vous allez voir, mais je n'en dis pas plus, qu'il n'est pas si facile que cela de faire parler une statue. Je vous souhaite une bonne séance. Merci Vincent. Avec mes collègues Benoît Mille et Leïla Benaouran, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir sous un nouveau jour, effectivement, cette sculpture bien connue du département des Antiquités égyptiennes. Le groupe figurant le pharaon Taharqa, agenouillé en offrande devant le dieu faucon Emen. L'ensemble mesure 19,7 cm de haut, 10,3 cm de large et 26 cm de profondeur. Tel que vous le voyez, Taharqa, qui régna sur l'Égypte de 690 à 664 avant Jésus-Christ, est représenté en bronze, le dieu faucon est plaqué d'or et le socle recouvert d'argent. Ce groupe exceptionnel a déjà en effet tenu le haut de l'affiche cette année avec l'exposition au Louvre « Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata ». Le commissaire de l'exposition, Vincent Rondeau, qui est l'actuel directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, ne pouvait manquer de mettre à l'honneur cette œuvre iconique de la 25e dynastie couchite. Et elle est en effet remarquable à bien des égards. Elle représente Taharqa, qui est à la fois le dernier, mais aussi le plus grand souverain de cette dynastie originaire du Soudan actuel, dit pays de Kouch, un royaume qui s'étendait très au sud de l'Égypte. Son règne prit fin avec le sac de Thèbes par les Assyriens en 664 avant Jésus-Christ. Durant les 25 ans qu'il passa à la tête du pays, il se montra soucieux d'entretenir les temples égyptiens, en particulier ceux dédiés à Amon, comme la colonnade du temple de Karnak que vous voyez ici au premier plan. Mais le groupe est important bien au-delà du souverain qu'il représente avec un brio certes peu égalé. Il se distingue par au moins quatre autres aspects. D'abord, la scène d'offrande est complète avec le roi et le dieu auquel il s'adresse, un fait extrêmement rare dans la petite statuaire égyptienne. Ensuite, le groupe résulte de la combinaison très originale de matériaux, dont l'argent. Ce métal était des plus précieux, ses occurrences en Égypte étant très rares. Il est donc le plus souvent présent sous forme d'incrustations parcimonieuses dans les pièces d'orfèvrerie. Ce socle est donc sans équivalent, ce qui crée un contraste original et fort avec le faucon plaqué d'or et la figure royale en bronze et contribue à rendre l'œuvre inoubliable autant qu'incomparable. Autre originalité, la figure du faucon entre les pattes duquel se dresse un serpent est à ce jour la seule figuration complète
du dieu Hémen en Rhondebos. Il existe d'ailleurs moins d'une trentaine de mentions du dieu dans la documentation égyptienne, depuis les textes des pyramides jusqu'à l'époque ptolémaïque. L'identification du faucon à ce dieu, dont le nom est inscrit sur le socle, à l'arrière du groupe, donne en outre son quatrième caractère unique à l'œuvre. Elle permet d'y voir l'écho d'un texte historique relaté par plusieurs stèles en Égypte et au Soudan, dont celle qui s'affiche ici et que nous allons voir, découverte à Matahana, au sud de Thèbes. Ces stèles, que nous allons voir à l'écran, se rapportent, celle de Matahana que vous voyez à l'écran, se rapportent rapporte qu'il y eut une crue exceptionnelle du Nil en l'an 6 du règne de Taharqa. L'inondation annuelle était de longue date perçue comme providentielle, puisqu'elle fertilisait opportunément les terres à la saison la plus chaude. Mais telle que relatée sur les stèles et confirmée par les relevés archéologiques à Karnak, cette année-là, le Nil déborda tellement qu'il eut un autre effet bénéfique, celui de chasser les serpents et autres nuisibles des terres habitées. Un vrai miracle, si on en croit les stèles, bien qu'on puisse imaginer qu'il fut aussi en partie destructeur. Taharqa en remercie surtout le dieu Amon, dieu dynastique, qui présidait à la crue. Mais ici, le dieu Hémen, sous forme humaine, est vénéré et honoré. Le nom du dieu est inscrit au-dessus de sa tête, tel que vous pouvez le lire en parallèle de l'inscription figurant au dos de notre groupe. Le nom du dieu Hémen, ici repéré dans l'encadré rouge, commence avec le signe hiéroglyphique de la corde entrelacée à la verticale qui se lit H, suivi du signe Men, complété de N, qui s'inscrit avec une succession de zigzags figurant l'eau. Puis vient le signe du panier, qui ici se lit Neb et signifie maître. Il est suivi du nom de la ville, écrit avec le signe du serpent à lire Ephat, la ville du serpent. Un site de Haute-Égypte qui semble bien correspondre à l'actuel Mohalla, à 35 km au sud de Louxor. Le cercle derrière la queue de ce serpent est un signe qui permet sans ambiguïté de ranger le nom de Hefat, qui précède, dans la catégorie nom de ville. Si Hémen, maître de Hefat, se trouve mis à l'honneur, c'est qu'il présidait en effet à l'inondation. D'après une stèle, une scène de procession de barques peintes dans une tombe du Moyen-Empire à Mohalla, accompagnant les festivités liées à la crue autour de Hémen. Sur notre groupe sculpté, le roi lui fait offrande de vases globulaires, des vases à vin, dits vases nous, une offrande royale, particulièrement liée à ce phénomène si fondateur pour l'Égypte, d'un Nil débordant à la saison brûlante. Le roi en était le garant, comme du reste de l'ordre du monde créé par les dieux, qu'il maintenait par l'administration, la justice, la force et les rituels. Malgré la conservation extraordinaire de ce groupe, son origine archéologique n'est pas connue. La statue a en effet été achetée sur le marché de l'art américain en 1952. L'inventaire du département des antiquités égyptiennes du Louvre indique que le groupe a été acquis à New York en vente publique le 31 janvier 1952 par l'intermédiaire de M. John D. Cooney, conservateur du département des antiquités égyptiennes du Brooklyn Museum. Il appartenait à M. Mansour, antiquaire au Caire, et figurait sous le numéro 306 dans le catalogue de la vente organisé par la Park Bernard Gallery. Pour se convaincre de l'achat, Jacques Vendier, le conservateur qui en fit l'acquisition pour le Louvre, la fit démonter. Son étude, publiée en 1952, reste à ce jour celle de référence sur l'objet. Le démontage de la pièce a d'abord consisté à soulever la tôle d'argent, comme nous le voyons sur ce cliché de l'époque en noir et blanc. L'opération fut réitérée pour restauration en 1999, sous la houlette d'Elisabeth Delange, alors conservatrice au Louvre, et par la main d'Angélique Dimontova, restauratrice, donnant l'occasion des clichés en couleur qui vont suivre. Les démontages révélèrent que l'âme du socle en argent, sur lequel venait s'encastrer le faucon, était en bois. Bien que le bois n'ait pas été analysé, il semble que ce soit du ficus et qu'il a été taillé dans l'Antiquité, ce qui d'ailleurs poussa Jacques Vendier dans son achat. Les observations faites au moment du démontage de 1999 ont par ailleurs montré que les parois externes de ce socle, avant application de l'argent, ont été recouvertes d'un textile
suivant une technique par ailleurs attestée sur les objets égyptiens en bois, généralement avant la pose d'un stuc. Les deux démontages ont aussi mis en évidence que la statuette de Faucon était entièrement en pierre plaquée d'or et qu'elle était prolongée à l'avant des pattes d'un morceau de bois que vous voyez couvert par une tôle d'or. Le plaquage de la tôle d'or constituant les serres du Faucon a été restauré par un collage au revers en 1999 et se présente aujourd'hui d'une seule pièce, ce qui n'était pas le cas au moment de l'achat. Le retrait du complément de bois mit aussi en évidence le sillage de la partie avant du socle de pierre. Surtout, et contre toute attente, le démontage révéla une inscription au dos du faucon de pierre. Elle double donc celle inscrite sur le socle en argent, avec des variantes notables. Nous y reviendrons. Jacques Vendier conclut de son analyse. Voilà le socle de pierre. Donc l'arrière du socle de pierre. Jacques Vendier conclut de son analyse que la statuette de Taharqa aurait été envoyée depuis les ateliers royaux pour être montée, un peu maladroitement, en ex-voto pour le dieu Hémen. Il s'interroge toutefois sur le positionnement du roi perché sur ses tenons et conclut, je le cite, « Peut-être ses tenons étaient-ils cachés à l'origine par un petit socle sur lequel le roi aurait été agenouillé, mais de ce socle, aucune trace n'est restée. » L'hypothèse semble aujourd'hui peu satisfaisante, car ce montage, par brasure, paraît moderne et d'autres aspects que nous allons progressivement voir m'étonnaient aussi. Sachant l'œuvre sans provenance archéologique connue, il me sembla indispensable de redéfinir plus précisément, sément et avec les moyens actuels, la chronologie de ce qui me paraissait, au moins partiellement, être un remontage récent de pièces antiques. Mais à quel point ? Je me tournai vers le C2RMF, qui se révéla un rouage indispensable pour avancer. Les analyses furent faites un peu avant l'exposition Pharaon des deux terres, leur traitement réalisé pendant l'exposition, et nous exprimons donc nos conclusions pour la première fois avec vous aujourd'hui. Pour tenter de répondre aux interrogations autour de cette œuvre, une équipe a été constituée avec Dominique Ropsis et moi-même pour l'étude des métaux, Yvan Coquineau pour celle de la pierre, Elsa Lambert pour la radiographie, Anne Maigret pour l'imagerie scientifique et Vanessa Fournier pour les schémas de reconstitution. Florence Gombert, de son côté, faisait appel à Olivier Tavozo, restaurateur indépendant, pour étudier la possibilité de démonter l'œuvre à nouveau. En préalable à toute étude et avant démontage, je proposais, pour ne pas opérer à l'aveugle, de radiographier l'œuvre. Cet examen allait nous permettre de résoudre un premier point, celui de l'attache du roi à son socle. La première question qui se posait en effet était de savoir si la statue de Taharqa avait pu, dès l'Antiquité, se présenter sur ce socle plaqué en argent. Mais arrêtons-nous d'abord sur la statuette royale elle-même. Au moins un point ne fait pas débat. Son raffinement exceptionnel et son identification au roi Taharqa. La statuette est un bronze au plomb. Les analyses ont en effet montré que l'alliage de cuivre contient 7% d'étain et 9% de plomb. Elle mesure 11,3 cm de haut, sans tenir compte des tenons. Au dos, à la ceinture, elle porte le nom de naissance du souverain, Taharqa, inclus dans un cartouche. Ce nom est aussi celui qui figure sur une autre statuette en bronze du souverain, elle aussi conservée au Louvre. Ici, le pharaon est représenté en sphinx, debout, sur un pavois, entre deux serpents, à la manière d'un chien Upuawut, celui qui ouvre les chemins. La statuette devait donc orner l'avant d'une barque de procession. Le cartouche royal est placé sur la poitrine de l'animal à la verticale, très différemment de ce qu'on observe sur Taharqa devant Hémen. Au dos de notre statuette, on peut lire une formule complète, à savoir qu'il est le dieu bon, Taharqa vivant éternellement. À en juger par la mollesse du tracé de l'inscription, il semble évident qu'elle a été marquée directement dans la cire avant la fonte de la statue et non ciselée dans le métal déjà froid. Si cette inscription a donc manifestement été pensée d'avance,
Son emplacement au dos de la statuette n'en est pas moins inhabituel. Inhabituel, certes, mais attesté, comme sur cette autre figure royale conservée au Metropolitan Museum de New York. Elle représente Amasis, un souverain de la dynastie suivant celle des Kouchites. La situation est donc très comparable à notre cas, puisque le pharaon était identifiable quand on était tourné vers la divinité comme lui. Bien que de très belle qualité, il est notable que les traits du souverain ne sont pas aussi individualisés que sur la statuette de Taharqa. Question de conservation, certes, mais aussi de style. Les traits du visage du pharaon Kouchite sont rendus avec une grande finesse, au point qu'il est possible de le comparer avec une représentation monumentale du souverain. Telle cette statue que nous allons voir s'afficher à l'écran. Mais là, nous faisons un point sur le visage de Taharqa, dont vous allez pouvoir apprécier peu à peu les détails, et que vous pouvez donc comparer avec cette statue du souverain 10 fois plus grande, en granit, trouvée à Karnak, qui mesure 75 cm de haut avec les plumes, et où le pharaon est représenté en dieu aux nourrices. En comparaison, le raffinement de la statuette peut être apprécié jusque dans le modelé des sourcils. On ne manque pas non plus de remarquer le traitement des deux uréis à l'avant, sur le front, qui se poursuit ensuite et qui ne mesure que quelques millimètres de haut et qui sont détaillés au point d'avoir le gorgerin strié à l'avant. Ils se poursuivent ensuite sur le front. À la manière de ce qu'on trouve également sur le front d'un des successeurs de Taharqa, à savoir Shabaka. Ici, vous observez qu'au dos, on retrouve très très bien les deux éléments de queue de serpent qui sont caractéristiques de ces souverains. Donc Shabaka, ici, que vous voyez s'afficher, est un souverain qui était le prédécesseur de Taharqa, et la tête que vous voyez s'afficher donc, est de 3,8 cm de haut. Vous pouvez en admirer au Louvre, vous pouvez l'admirer au Louvre dans la même vitrine que notre groupe. Les pharaons portent depuis longtemps l'uréus au front, ce serpent qui n'est autre, d'après les textes égyptiens tardifs, que la fille de Ré chargée de protéger la royauté. Mais sur le front des rois Kouchites, il y a donc deux serpents qui soulignent leur souveraineté sur le double pays, celui de Kouch et celui d'Égypte. Les rois Kouchites portent aussi très souvent en guise de couronne ce simple diadème, hein, qui n'est pas celui que porte Taharqa, pardon, Shabaka, mais bien Taharqa, ce simple diadème qui ceint la tête du roi. Une fois encore, le détail en est poussé à la minutie régulière, vous l'observez sur la statuette. Malgré ces spécificités, les souverains Kouchites eurent avant tout à cœur de se présenter comme les restaurateurs de la plus ancienne tradition égyptienne. Après 300 ans d'émiettement du pouvoir pharaonique, dite troisième période intermédiaire, ils tentaient non sans mal de refaire l'unité du pays et de restaurer les traditions. Mais mis à part sa coiffe, Taharqa se montre donc en tout point conforme aux anciens canons égyptiens. Ses épaules larges rappellent la statuaire de l'ancien empire, plus de 2000 ans presque antérieure, tout comme le port du pagne Tchendjit, royal par excellence. Taharqa se présente en outre agenouillé, faisant la même offrande royale que de nombreux souverains depuis l'origine, celle des vases nous. Il existe en outre tout un florilège de statuettes en bronze, d'autres souverains Kouchites, parfois difficiles à identifier car non inscrits, représentés agenouillés en offrande et vêtus, comme ici, de pagne Tchendjit ou coiffés de diadèmes, comme nous l'avons montré sur Taharqa. Ces statuettes sont certes moins bien conservées que celles du Louvre, mais surtout, vous remarquez qu'elles ont perdu le dieu auquel s'adressait leur offrande. Il est en effet très rare
de conserver une scène d'offrande royale complète, malgré le notable contre-exemple qui s'affiche à droite. Un groupe monumental en granit de plus de 1,90 m de haut, représentant le successeur de Toutankhamon, Horemheb, qui est ici à taille humaine devant le dieu Atum. Le souverain y est placé plus bas que le dieu, contrairement à ce que vous voyez pour le groupe du Louvre. La question se pose donc avec une particulière acuité. La statuette de Taharqa, pour belle et authentique qu'elle est manifestement, a-t-elle jamais été placée sur ce magnifique socle d'argent dans l'Antiquité ? En effet, aux arguments stylistiques s'ajoutent plusieurs incohérences techniques. On observe en particulier que la figure royale est en position inhabituellement haute. Les tenons mal enfoncés dans le support et maintenus par un système de brasures à première vue récent et peu soigné. L'examen attentif des radiographies allait confirmer mes soupçons. La radiographie s'est effectivement révélée essentielle à bien des égards, et en particulier pour l'étude de la position des tenons dans le socle. Si l'on observe cette radiographie d'un peu plus près, on remarque d'emblée une anomalie évidente. La ligne d'agenouillement n'est pas horizontale, c'est-à-dire cette droite passant sous les genoux et sous les pieds de Taharqa. Et si les conditions d'observation de la radiographie sont suffisamment bonnes, on met aussi en évidence que la pièce de bois est profondément creusée sous les deux brasures. J'ai reporté ici en pointillé rouge le tracé de ces deux creusements. Ils sont aujourd'hui comblés par un matériau dont la densité radiographique est à peine supérieure à celle du bois et qui semble surtout d'une très grande homogénéité. Les matériaux de comblement anciens n'ont généralement pas cet aspect car comportent une charge minérale qui se verrait en radiographie. On est ici très vraisemblablement en présence d'un mastic préparé à partir de polymères de synthèse de type plastique. Voyons maintenant ce qui se passe si l'on désocle virtuellement Taharqa, puis que l'on essaie de replacer les tenons de la statuette dans les deux creusements du socle. Le tenon placé sous la pointe des pieds se positionne parfaitement. En revanche, on remarque que le tenon placé sous les genoux a été volontairement tordu. Si l'on redresse le tenon, il se replace maintenant, lui aussi, parfaitement dans le creusement du socle. Nous pouvons donc tirer plusieurs renseignements très importants de l'examen radiographique. Le pharaon a clairement été replacé en hauteur sur le socle. Mais à quelle période ce montage a-t-il été effectué ? La brasure assez médiocre, maintenant les tenons en alliage cuivre sur l'argent, n'est ni altérée mécaniquement, ni corrodée. Tout porte donc à croire que cette brasure est récente. Et surtout, nous venons de voir que le mastic qui remplit actuellement les deux cavités présente l'aspect d'un matériau de l'ère industrielle. Tous les éléments convergent donc pour établir que le replacement de la statuette de Taharqa est moderne. Pour quelle raison la statuette de Taharqa a-t-elle été replacée ? Peut-être s'agit-il d'un choix de collectionneur souhaitant mettre plus haut Taharqa, davantage face au faucon, pour que les regards soient plus en correspondance. Mais cette étude approfondie des anciens trous de fixation de la statuette du pharaon apporte aussi et surtout une donnée clé. Nous sommes assurés que le socle en bois n'a pas été remplacé et qu'il est contemporain du premier montage. La question qui se pose donc à ce stade est de savoir si le plaquage en argent est lui contemporain ou non du socle en bois. Oui, d'autant plus que la découpe de l'argent autour du faucon ne semble pas à la hauteur du style et de la qualité du reste de l'œuvre. Que nous avons désormais la preuve d'intervention moderne concernant le positionnement du roi, mais aussi que j'avais personnellement des doutes sur l'inscription sur laquelle nous reviendrons plus tard. Si la découpe de l'argent autour du faucon semble aujourd'hui grossière, cela est surtout lié aux importantes déformations et aux déchirures que l'on observe aux quatre angles de cette découpe. Car on peut opposer à ce travail présumé rudimentaire que la mise en forme de la pièce en argent est aussi soignée que complexe, avec la parfaite réalisation d'une boîte à cinq faces par martelage d'une seule feuille de métal. Par ailleurs, la surface est usée de manière homogène et douce. Cela permet d'avoir comme hypothèse de départ que le plaquage en argent est bel et bien antique. Le dessous du socle montre qu'une plaque de fond vient fermer la boîte, que les bords latéraux du socle ont été soigneusement repliés autour de cette plaque et que des petits clous ont été régulièrement et soigneusement plantés pour assurer le parfait maintien du bois dans le plaquage d'argent. La radiographie indique
que les clous sont en apparence tous identiques. Et ce détail montre bien qu'ils sont tous de même longueur, qu'ils ont une même section quadrangulaire et qu'ils n'ont visiblement jamais été retirés de leur support. Autrement dit, nous n'avons aucun indice d'un quelconque remontage. En avril 2022, le groupe de Taharqa et Emen a été analysé au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Et on voit ici, donc dans le laboratoire d'analyse par fluorescence X, la mise en place du groupe de Taharqa, ici pour effectuer une analyse de l'or, devant l'appareil de fluorescence X. On a également analysé, évidemment, le socle d'argent. Donc, vous voyez ici quelques détails. Là, toujours l'analyse, la préparation de l'analyse de l'or. Là, on est correctement positionné. Et on va vérifier ce positionnement sur l'écran. Donc, en allumant un petit laser qui nous aide à repérer donc ce qu'on voit ici. Donc, le laser nous montre la zone qui va être analysée. On lance l'analyse qui dure entre 1 et 2 minutes. Et on va, de cette manière, acquérir les résultats d'une analyse élémentaire. Alors, pour l'argent, le but de ces analyses était de caractériser le plus complètement possible les différentes pièces faites de ce métal. Et ce schéma montre la localisation de toutes les analyses que nous avons effectuées sur l'argent. Parmi tous les clous analysés, un exemplaire montrait des caractéristiques un peu différentes, avec notamment une tête plus grosse et globulaire, indiquée ici par une flèche rouge. Nous l'avons baptisé clou de type 2. Ce graphique illustre la composition moyenne des trois types d'argent que nous avons analysés, les plaques, les clous de type 1 et le clou de type 2. On visualise sur le graphique de gauche que du cuivre a été ajouté dans l'argent systématiquement, tandis qu'à droite sont reportées les principales impuretés. La plaque formant la boîte supérieure et la plaque de fond sont de composition strictement identique, un argent faiblement allié puisqu'il ne comprend que 2% de cuivre. Pour leur part, les clous de type 1 sont tous formés à partir d'un même métal, un argent qui est cette fois fortement allié au cuivre, puisqu'il en contient environ 20%. Cela rendait le métal beaucoup plus dur, cette composition est donc bien adaptée pour la réalisation de clous. Le clou de type 2 est par contre totalement différent, puisque pratiquement non allié au cuivre et possédant un spectre d'impureté très différent des deux autres groupes. Les analyses et examens effectués sur l'argent révèlent donc que, hormis le clou refait, le travail est d'une très grande homogénéité. Par ailleurs, tous les indices convergent pour indiquer que ce travail est antique. On retiendra aussi un point très important, le dessous de la boîte n'a jamais été démonté. Tout devient alors beaucoup plus clair. Les déchirures et les déformations que l'on observe sur la face supérieure du plaquage d'argent ne s'explique que par le fait que la découpe dans l'argent est bien trop étroite pour laisser facilement sortir la base en pierre du faucon. La mise en place initiale du faucon ne peut donc avoir été faite par le haut. Il a nécessairement été introduit avant la plaque de fond, selon le scénario suivant. La première étape du montage du groupe statuaire est le façonnage d'un bloc de bois aux dimensions désirées. Le bloc a ensuite été creusé aux emplacements des deux tenons de Taharqa et de façon à pouvoir accueillir la base en pierre du faucon Emen. Le plaquage d'argent a ensuite été mis en forme et les découpes effectuées en face supérieure. On soulignera ici la forme échancrée très caractéristique de la feuille d'argent, de façon à ne laisser passer que le corps du faucon et pas sa base en pierre. L'étape suivante est justement celle de la mise en place du faucon. Dans un premier temps, le plaquage d'argent est retiré, puis le faucon est déposé dans le support de bois. Le plaquage d'argent peut maintenant être mis en place, bloquant le faucon dans le support. Il est ensuite temps de glisser la plaque de fond sous le support, de replier les bords latéraux du plaquage d'argent et de planter les clous. À ce stade, il ne reste plus qu'à placer Taharqa dans le support et à sceller les tenons dans le bois. Dans le puzzle que nous reconstituons progressivement, une pièce majeure a donc pris sa place, la statuette de faucon.
nous savons désormais que le support a été conçu pour Tarka et pour le faucon. Il ne s'agit pas d'une recomposition. Nous sommes donc assurés que le pharaon a très probablement été placé sur le socle avant d'être mis en hauteur sur ce dernier à l'époque moderne. Que le plaquage en argent pour unique n'en est pas pour autant contemporain du socle. Que le plaquage en argent pour unique n'en est pas moins contemporain du socle antique, comme le montrent les traces d'usure sur la surface, et que la statuette du faucon, elle, était incluse dans ce socle, la tôle d'argent étant découpée au plus juste pour la recevoir. Mais notre attention doit maintenant se porter sur le faucon, car il semble que son histoire préalable, c'est-à-dire avant sa mise en place dans le socle, a été complexe. Comment expliquer l'ajout de bois à l'avant des pattes sous une tôle d'or actuellement mollement en forme de cerf de faucon? Par ailleurs, quand le faucon a-t-il été plaqué d'or? Au moment de le placer dans le socle, peut-il avoir connu une première vie? Nous abordons ici la troisième question de notre enquête, le faucon, une statue deux fois consacrée. Premier point concernant le faucon, son plaquage en or. Et nous allons voir un gros plan de la tête du faucon comparé à la radiographie qui montre clairement que le visage du faucon n'est pas figuré sous le plaquage. Je vais attendre un petit peu que... On constate aussi, toujours sur la radiographie, qu'il ne s'agit pas d'une simple cassure, car la surface de la pierre sous l'or est à cet endroit complètement bouchardée. Mais ce bouchardage est resté grossier dans le cas d'un faucon de pierre prévu pour être plaqué dès l'origine, on attendrait une surface plus régulière. Il est donc tout à fait envisageable que la statue du faucon en pierre, par exemple un ex-voto du Nouvel Empire, peut être déjà en partie abîmée, ait été habillée d'or pour une seconde consécration afin d'intégrer la nouvelle offrande royale. Mais le rendu des plumes semble plutôt mou. Peu détaillé, ce manque de précision avait déjà étonné Jacques Vendier, qui concluait de la maladresse des artisans locaux chargés d'habiller la statuette du plaquage d'or. Notre analyse est autre. Oui, car si l'or a été martelé de main de maître, et si le rendu des plumes que l'on voit ici à l'écran semble mou, c'est qu'il vient en surépaisseur de la sculpture de pierre, comme le montre la radiographie. Comme l'a montré la radiographie qu'on a examinée tout à l'heure. Obtenir le suivi du corps du faucon n'était pas sans complications au niveau des plumes, comme on le voit ici, mais également au niveau du bec. L'artisan a réussi à plaquer la statuette avec un nombre limité de feuilles, une grande feuille pour la face dorsale et les deux faces latérales, une autre grande feuille pour la face ventrale, et une petite feuille pour le dessus du crâne, enfin une quatrième et dernière feuille pour figurer les pattes que l'on a vues tout à l'heure. La zone des yeux témoigne de la haute qualité du travail de ciselure. À cet endroit, l'analyse des traces en microscopie numérique 3D confiée à Dominique Ropsis, que l'on voit sur l'image de droite, montre de très intéressants détails dans le creux des gravures de l'œil du faucon. Ces zones en creux montre des altérations mécaniques, des traces d'usure, des dépôts de concrétion, alors que ces zones sont très difficilement accessibles aux outils utilisés par des restaurateurs modernes de l'époque contemporaine. Ici, un autre détail au niveau du sourcil qui montre de façon encore plus rapprochée les signes préservés de ces altérations. Ces détails constituent de précieux témoins de l'usage et du long enfouissement de l'objet. Le travail est donc sans aucun doute antique. Mais si le faucon en or est donc bien antique, pourquoi les pattes sont-elles à ce point déformées et écrasées? À cet endroit, avons-nous affaire à un bricolage moderne, voire une tentative de réfection,
Pour le savoir, le C2RMF a procédé à l'analyse de l'or par fluorescence X. La composition de la tôle d'or figurant les serres est en tout point identique à celle des autres tôles d'or. Un or allié à 6% d'argent. Elle est donc, elle aussi, antique. Mais que dire de l'ajout de bois placé sous les pattes? Et surtout, que pouvons-nous conclure du travail de la pierre à cet endroit? Pour la suite des analyses, nous nous sommes heurtés à une difficulté majeure. Olivier Tavoso, restaurateur, n'a pu que constater que l'argent était désormais fortement écroui et donc rendu dur et cassant suite à l'ouverture par deux fois au moins des bords en argent et leur remise en forme par martelage. Le démontage a donc été impossible. L'étude de la pierre a tout de même pu être réalisée. Elle a été menée par Yvan Coquineau, qui a tiré parti des deux endroits où elle affleure, sur le dessus de la tête du faucon, que l'on va voir dans quelques instants, et à l'arrière de la base. Donc on voit ici ces deux zones où la pierre affleure. Et cette pierre passait jusque-là pour être du schiste ou de la grauwacke. Elle se présente comme une roche de couleur gris-vert foncé, quand on grossit un petit peu plus, on en verra des détails tout à l'heure, de granulométrie très fine et tendre, puisque nous avons pu évaluer sa dureté, entre celle du gypse et de la calcite. Elle a été analysée par des techniques qu'on qualifie de non-invasives. Les analyses en spectrométrie Raman ont permis l'identification des principaux minéraux constitutifs de cette roche. Ces minéraux appartiennent à la famille des phyllosilicates. Mais pour connaître précisément et sans doute possible la nature d'une roche, il est nécessaire d'avoir à la fois sa composition minéralogique et sa composition chimique élémentaire, surtout si la texture de la roche est très fine, comme c'est le cas ici. Nous avons donc complété cette première investigation par des analyses qui ont été effectuées sur l'accélérateur de particules Aglaé. Donc là, vous avez un autre petit film qui va vous montrer la mise en œuvre de ces analyses avec donc voilà le fameux accélérateur de particules, l'objet qui a été amené, c'était le même jour que... Et on voit ici Yvan Coquineau, mon collègue, qui éclaire avec une lampe ultraviolet pour chercher les meilleures zones à analyser sur la pierre, les zones les moins altérées. Donc un détail de la caisse. Il va falloir mettre en place Tarka Emen devant l'accélérateur. Donc vous voyez ici la zone où on fait les analyses avec ce qu'on appelle le nez de l'accélérateur. Et là, un point un petit peu délicat, la mise en place de Tarka Emen devant l'accélérateur. Surtout que vous voyez que l'accélérateur le faisceau de l'accélérateur est horizontal, et donc pour analyser la pierre qui est au-dessus de la tête, il a fallu coucher, donc une opération très très délicate, coucher la statuette, donc il a fallu faire un support particulier pour pouvoir coucher le groupe devant l'accélérateur, qui est maintenant posé sur le plateau. On approche donc la zone à analyser, cette zone où la pierre affleure. Donc on positionne très très précisément, le faisceau est tout petit, hein. Il fait quelques dizaines de microns, on ferme la salle, on met tout ça en sécurité, et on va pouvoir donc déclencher les analyses, qui sont des analyses, le faisceau qui est accéléré, le faisceau de particules, ce sont des protons, et on va faire des analyses en mode, ce qu'on appelle le mode PIX, donc une sorte de fluorescence X qui nous permet de déterminer la composition chimique élémentaire. Vous avez là la salle de contrôle de l'accélérateur avec les écrans qui permettent justement de faire tout ce contrôle, et puis là les écrans d'acquisition, et on voit en direct apparaître les spectres qui nous permettent de déterminer la composition chimique élémentaire de cette pierre. Alors, ces analyses élémentaires ont donc été effectuées par PIX sur l'accélérateur Aglaé, et les résultats combinés à la spectrométrie Raman indiquent que la pierre est une chloritite. Cette roche, comme son nom l'indique, est constituée majoritairement de chlorite, un minéral de la famille des phyllosilicates, composé presque exclusivement de silicium, d'aluminium, de fer et de magnésium. Même si cette roche n'est pas mentionnée dans les publications étudiant les matériaux de l'Égypte ancienne, elle existe pourtant bel et bien dans les formations ophiolithiques affleurant à la fois à l'est de l'Égypte,
dans la zone désertique des monts de la mer Rouge et au nord-est du Soudan. Il n'est pas possible, avec les données actuelles, de connaître la provenance exacte de cette chloritite. Mais il est intéressant de noter que ces roches affleurent en majorité à plus d'une centaine de kilomètres de la vallée du Nil. Dans ce cas, ou dans celui d'une provenance plus lointaine, cela indiquerait de toute façon une volonté forte d'utiliser ce type de roche compte tenu du transport que cela implique. Cela pourrait d'ailleurs être une des raisons pour laquelle les chloritites ont été utilisées majoritairement pour la petite statuaire, telle que l'étude d'autres statuettes du département des antiquités égyptiennes a pu le confirmer. Par ailleurs, la détermination précise de la pierre composant le faucon nous permet de mieux interpréter les nombreuses traces d'outils portées par le socle. Alors on a ici une difficulté, c'est qu'on ne pouvait pas y accéder directement, et donc on a travaillé sur les photographies anciennes, et on remarque tout particulièrement les nombreuses traces visibles à l'avant de la base de pierre. On observe en effet que la face avant du socle montre plusieurs plans de cassures qui correspondent à des enlèvements intentionnels. Et ces endroits sont de plus marqués par une usure et un poli importants. Dans cette même zone de l'avant du socle, on observe aussi une grande face verticale très lisse. Elle résulte d'un tout autre travail, puisqu'il s'agit de sillage. Le sillage a vraisemblablement été effectué pour pouvoir plaquer la cale en bois contre la base de la statuette. Le traitement de cette petite pièce de bois que l'on a vue tout à l'heure, taillée en apparence très anciennement pour imiter la forme du socle, est un argument de plus en faveur du montage antique. Si l'antiquité du faucon ne fait donc aucun doute, et si probablement il a été l'objet d'une première dévotion à un dieu faucon, peut-être brisé ou abandonné avant d'être réutilisé pour être inclus dans le groupe avec Taharqa, une question centrale demeure en suspens, celle de son identification au dieu Emen, dont le nom est inscrit deux fois sur l'œuvre, sur l'argent et sur la pierre. Il s'agit d'un point sensible de l'histoire de l'œuvre. Nous avons vu en début de conférence que le groupe de Taharqa et Emen a été mis en rapport avec un épisode de crue exceptionnel intervenu en l'an 6 du règne de Taharqa, pour lequel le dieu Emen se trouve honoré par le pharaon. La rareté même des invocations faites à ce dieu Emen est en effet un argument fort pour relier le groupe du Louvre à cet événement, le nom du dieu figurant de plus explicitement au dos de l'œuvre. Mais justement, cette inscription a posé problème dès l'origine. La première partie du texte est formée de deux hiéroglyphes, que vous voyez à droite, un disque solaire et le signe du ciel, que Jacques Vendier a traduit, mais sans certitude, « jour du jugement ». Les textes égyptiens étant loin d'être aussi normatifs que les textes et la grammaire moderne, les formules originales n'en sont pas pour autant suspectes. En revanche, la présence de cette inscription au dos du faucon, centrée comme une étiquette et sans formule de dédicace, me semblait étonnante, de même que son aspect. Généralement, les formules de dédicace commencent à l'avant des sculptures et suivent une formule bien différente. On ne nomme pas vraiment les dieux à l'arrière de leur représentation ou alors sur un pilier dorsal. L'inscription portée en face arrière du socle a donc été examinée par plusieurs techniques d'imagerie scientifique complémentaires, car opérant à différentes échelles. La technique RTI, pour imagerie par transformation de réflectance, est une méthode photographique qui offre ici la possibilité de conserver une vue d'ensemble de l'inscription, tout en choisissant de façon interactive sa mise en lumière, afin de révéler des détails difficilement visibles à l'œil nu. On observe sur cette image RTI obtenue par Anne Maigret, comme on l'a précédemment signalé, on remarque sur l'image RTI des traces d'usure sous la forme de rayures qui couvrent l'ensemble de la surface du plaquage d'argent. Rappelons que nous interprétons ces rayures comme l'un des indices de l'ancienneté et de l'authenticité de l'argent. Un examen plus rapproché par microscopie numérique 3D met par contre en évidence un certain nombre de problèmes au niveau de l'inscription, comme par exemple ici, dans la zone du serpent. On constate en premier lieu que les fonds de traits sont parfaitement propres, sans aucun dépôt de sédiments issus du sol, ni concrétion liée à l'altération du métal, contrairement par exemple à ce que l'on a observé tout à l'heure au niveau du plaquage d'or de l'œil du faucon.
mais surtout, les traits gravés ne portent aucune trace d'usure. Au contraire, ils ont très clairement été effectués alors que les traces d'usage existaient déjà, comme on le voit très bien sur ce détail en microscopie numérique 3D, notamment l'image de gauche. On voit les rayures qui traversent et qui n'affectent pas la gravure. Donc, ils ont été très clairement effectués alors que ces traces d'usage existaient déjà. Il ne fait donc aucun doute que l'inscription sur l'argent est moderne. Ces analyses sans appel doivent-elles nous faire renoncer à reconnaître le dieu Emen ? Que penser de la seconde inscription sur la pierre, et d'abord en termes de traces physiques sur l'objet ? Sans démonter l'œuvre à nouveau, il est bien difficile de répondre à cette question de manière catégorique. Toutefois, d'après les photographies faites par le passé, il est possible d'avancer un peu sur le sujet. Il a pour cela fallu exploiter aussi complètement que possible les documents originaux conservés dans les archives. Et vous voyez ici mon collègue Yvan Coquineau observant à la loupe les plaques de verre correspondant aux clichés des années 1950 qui ont été sortis pour l'occasion par Catherine Bridonneau à la documentation du département des Antiquités égyptiennes. Et voici ici reportée en jaune l'inscription en question. On constate que cette inscription prend place au milieu d'un grand nombre d'autres traces visibles sur la pierre. Voici maintenant l'intégralité des traces qui ont été relevées sur l'arrière du socle en pierre. L'inscription est, de par sa disposition, postérieure à toutes les marques, sauf une trace d'usure très localisée, ici figurée en bleu foncé. Et de fait, celui qui a réalisé l'inscription a soigneusement évité tous les coups accidentels reportés en rouge sur le dessin et toutes les marques d'usure et la zone en creux dont le contour est ici en bleu clair. C'est pourquoi, d'ailleurs, les deux derniers hiéroglyphes de droite ne sont pas alignés. De plus, la qualité de réalisation des inscriptions est très médiocre. Les inscriptions sont incisées peu profondément et les tracés peu maîtrisés. Des ripages lors de la gravure des hiéroglyphes sont visibles à plusieurs endroits, montrant clairement que la réalisation de l'inscription a été rapide. En conclusion de cette analyse de l'inscription portée dans la pierre à l'arrière du socle de Emen, on retiendra qu'elle est postérieure à toutes les autres marques relevées. L'inscription a en effet tout du graffito, qui de surcroît présente des anomalies d'écriture. Le texte a manifestement été écrit de droite à gauche, puisque l'espace restant après l'inscription est à gauche. Même chose si on se fie au sens de lecture des hiéroglyphes qui se repèrent généralement en allant à l'encontre des êtres animés, donc ici en avançant face au serpent. Le texte se lit pourtant de gauche à droite, comme sur l'inscription gravée dans le métal, qui la copie en la corrigeant. Pour lire Emen, il faut donc commencer à gauche dans le sens de la flèche, à l'inverse du sens de lecture du serpent Ephat. Faut-il considérer que celui qui a écrit a non seulement inversé les mots, mais aussi le H écrit par la cordelette à l'initiale du nom Emen, dont nous notons au passage qu'il n'est qu'à deux boucles au lieu d'être à trois boucles. Une chose semble assurée, l'inscription qui se lit de gauche à droite a été écrite de droite à gauche. Dans le sens de lecture le plus courant des Égyptiens de l'Antiquité, mais aussi des Égyptiens du XXe siècle qui écrivent en arabe. Vous voyez ici le H, enfin la cordelette à l'endroit où elle devrait se placer si on suivait le sens de lecture du serpent. Je disais donc que l'écriture de droite à gauche est pratiquée dans l'Antiquité, mais également évidemment de nos jours en Égypte. Il arrive aussi que les antiques inversent le sens des signes. Comme vous allez le voir bientôt à l'écran, sur un graffito copié dans les montagnes thébaines et daté du Nouvel Empire par Tcherny. Le signe Dieu, qui ressemble à un drapeau, est inscrit à l'envers par rapport à la norme. L'inversion de mots est plus rare, mais généralement attestée. Il y aurait d'autres interprétations à donner, mais pour vous montrer que l'écriture n'est pas si normative qu'on croit, parfois. À ces questions de sens de lecture s'ajoute une autre difficulté. Comment expliquer le signe du ciel qui se trouve à la fin de l'inscription ou au début de l'inscription selon comment on décide de le lire ? Sur l'argent, il est complété, vous le voyez, d'un signe solaire qui,
certainement venait le corriger parce que le signe du ciel seul ne faisait pas sens. Ce qui montre d'ailleurs que l'inscription sur la pierre a certainement inspiré l'inscription sur le métal. Cela donne l'impression que le texte est copié, et en tout cas elle l'a copié d'un autre qui se trouvait peut-être à proximité, peut-être même sur l'objet lui-même, par une personne qui ne maîtrisait pas l'écriture hiéroglyphique, et là je parle de l'inscription en pierre, cette inscription donne l'impression de ne pas avoir été l'inscription en pierre, de ne pas avoir été faite par quelqu'un qui connaissait les hiéroglyphes, mais sans multiplier ici les hypothèses, soulignons encore une dernière étrangeté concernant les inscriptions, leur absence. À l'époque de Taharqa, une fois l'objet monté, il était en effet sans inscription visible. Cela suppose soit que nous avions un contexte qui permettait de nommer la statue, soit que la représentation même du faucon suffisait à le faire. La sculpture serait dans ce cas un symbole à lire comme un hiéroglyphe, un symbole complet en soi. Cela fait écho au texte d'une stèle découverte au Soudan, à 50 km au sud de Kerma, dans le temple d'Amon à Kawa, qui liste de précieux dons accordés au temple par Taharqa en l'an 7 de son règne, soit un an après la crue providentielle. Parmi les objets de culte précieux figure un faucon en or avec une statue ou une image du roi devant lui. Ceci étant sûr, la suite est un signe hiéroglyphique en forme de branche de palmier effeuillée qui permet notamment d'écrire les années de règne. En tout cas, le nom du dieu n'est donc pas indiqué pour décrire cette statue en or donnée par Taharqa en l'an 7 de son règne au temple de Kawa. Est-ce à la même prudence que nous devons nous résoudre concernant le faucon auquel Taharqa présente les vases à vin ? Nous avons en effet bien peu d'éléments iconographiques qui permettent d'être précis. En dehors de notre statue, on ne connaît qu'une seule représentation sculptée du dieu, un fragment de socle du Nouvel Empire conservé au musée Calvé d'Avignon, qui semble appartenir à une représentation du dieu sous forme humaine. De fait, l'iconographie du dieu Hémen est loin d'être stable, et ce n'est d'ailleurs qu'en hiéroglyphe qu'il est représenté sous la forme d'un faucon, tel qu'agrandi à gauche de l'écran, une image tirée des textes des pyramides et qui a été redessinée par Vikentiev en 1930, qui fait le bilan de toutes les iconographies possibles, images possibles du dieu Hémen. Malgré tout, les liens du dieu Hémen avec Horus, dieu faucon par excellence, ne font aucun doute. En particulier dans son rôle de destructeur des ennemis de la royauté, un rôle qu'il assume de manière très marquée dans les textes funéraires. De plus, la rareté même des attestations, moins d'une trentaine, ne permet pas d'écarter l'hypothèse que d'autres textes, voire d'autres statues et reliefs, ont pu représenter le dieu sous forme de faucon. L'iconographie de notre statue pourrait-elle malgré tout aider à le reconnaître indépendamment de l'inscription. Un attribut manque sur la statuette du rapace, sa couronne, dont la présence ne subsiste que sous la forme d'un trou de mortaise sur le dessus de la tête, mais qui existait. On peut imaginer soit un disque solaire, soit par exemple deux plumes, comme nous allons le voir sur un faucon, ce faucon découvert à Hierakonpolis, dans une favissa, c'est-à-dire une cachette ménagée dans le sol du temple. Il fut, notons-le, lui aussi associé à une figure royale, placée devant lui dans un second temps. Mais là encore, faute d'inscription, il n'est pas précisément identifié. Un indice supplémentaire et rare doit toutefois être relevé pour notre faucon. Il ne se présente pas seul, mais avec un serpent dressé entre les pattes. Que vous allez voir bientôt. Jacques Vendier y voyait une possible allusion à la maîtrise des serpents par Hémen, telle que représentée en hiéroglyphe dans les textes des sarcophages, où, à la fin de son nom, à la place d'un faucon, il apparaît, donc le dieu Hémen, sous la forme d'un homme tenant des serpents. Comme Horus, le dieu était destructeur des forces hostiles à l'ordre du monde que peuvent donc incarner les serpents. Toutefois, une telle disposition se trouve au sommet d'un sistre en albâtre de l'Ancien Empire, plus de 1500 ans avant Taharqa. Là, le faucon semble bien incarner Horus, l'héritier du trône de son père Osiris. En effet, comme dieu régnant, il est protégé par un Uræus, donc à l'avant, vous le voyez,
qui défend la royauté, et ce sont les cinq noms du pharaon Teti, un pharaon de l'Ancien Empire, qui, en dessous, lui tiennent donc lieu de légende à ce faucon. Formidable manière d'exprimer l'assimilation du roi à Horus. Mais nous le voyons, rien ne saurait être conclu sur l'identité d'un faucon représenté dans l'art égyptien sur la base de l'iconographie seule, sans texte ou contexte pour l'expliquer. Que le faucon ait ou non représenté Emène au moment de son montage dans le socle demeure donc la principale question ouverte selon la crédibilité qu'on donne à l'inscription sur la pierre. Car nous espérons vous avoir montré que malgré les incohérences techniques de l'objet dues à son montage, il reste très vraisemblable que le groupe a bien été trouvé en un seul endroit et complet, pharaon et faucon, auquel il s'adresse, sans doute perturbé dans une favissa, hypothèse, mais qu'il a été maladroitement remonté et malheureusement inscrit au dos à l'époque moderne. Est-ce qu'on trouvait, peut-être, trouvait-on dommage de laisser invisible une inscription qui était déjà gravée sur la pierre au moment de la découverte ? Il n'en reste pas moins qu'arrivé au terme de cette étude et de notre présentation, certains points sont définitivement acquis. On soulignera en premier lieu que l'œuvre est composée d'éléments antiques, tous exceptionnels. D'une certaine manière, leur rareté, leur qualité est une première façon de les relier. Mais nous avons aussi et surtout montré l'existence de preuves matérielles tangibles qui établissent de façon certaine que l'association de ces objets remonte à l'époque antique. Cela valide la constitution de cet extraordinaire groupe statuaire, d'abord la statuette de Taharqa, ensuite le socle couvert d'une tôle d'argent sans équivalent connue à ce jour, enfin le travail de l'or sur le faucon. Pour la suite, nous vous donnons rendez-vous dans les publications et bien sûr dans les salles où nous espérons que vous regarderez cette œuvre emblématique du département des antiquités égyptiennes au premier étage de l'aile Sully avec un nouveau regard.